Et nous enchaînons immédiatement en direct de Sabae au Japon avec la petite chinoise à la poutre qui va être sûrement exceptionnelle. C'est mademoiselle Ya Qiao. Très fine, très légère. Petite chinoise, déjà 18 ans, 7e en finale au championnat du monde de Brisbane en 94. Aïe, aïe, aïe. Déséquilibre sur cette entrée en salto arrière corps tendu. Les Chinoises sont exceptionnelles, mais font toujours, ou souvent en tout cas, quelques petits déséquilibres de ce type. Voilà, deux salto arrière tendus, pieds décalés, enchaînés. La moins sûre des Chinoises, mais elle est en finale et elle veut démontrer qu'elle a encore sa place derrière Mao Wilan. Ah, grand jeté, percuté, salto avant autant sur la poutre, c'est très difficile. J'aimerais bien que le réalisateur se rapproche un petit peu de son visage pour vous montrer avec quelle attention les Chinois présentent et préparent leur jeune fille, maquillage, coiffure, tout est impeccable. Même si ça peut paraître superflu, attention. La sonnette avant la sortie. Double arrière groupé. Aïe. Belle. Mais pas potentiellement. Médaille d'or, je pense, parce qu'il y a du beau monde dans cette finale et l'entraîneur de l'équipe féminine le sait fort bien. Mais c'est bien que Ya Qiao ait déjà porté la note vers 9600, peut-être. Ou probablement même un petit peu plus. Hein, je sais pas. À part le déséquilibre à l'entrée, il n'y avait pas de faute apparente. Ben écoutez, on verra ce qu'en penseront les juges en fonction du contenu. Oui, c'est bon juge. L'appréciation des sauts chorégraphiques, celui-ci est très difficile. Saut à l'écart avec un tour complet. Ces juges dont on vous dit parfois qu'ils ne sont pas toujours en harmonie totale. Et pour vous donner un exemple de cette finale, il y a un Tchèque, un Portoricain, non, un Péruvien. Un Porto Rico, Portoricain. Un Coréen. Le du Portugal, la Biélorussie, l'Espagne. Alors, 9600, mais je n'étais pas loin, 625. Voilà. Alors, voilà la note de base pour la finale. Oui. La finale de cette poutre qui s'annonce particulièrement indécise. Et comme beaucoup de téléspectateurs sont à l'écoute de France 3 ce matin, je voudrais apporter non pas un rectificatif, car je maintiens que Ludivine Furnon s'entraîne à Saint-Gigny à Marseille, mais qu'elle est effectivement du club de Nîmes et qu'elle a été découverte à Nîmes, mais j'aurai le temps d'en parler tout à l'heure lors de la finale du sol. Pendant ce temps, eh bien, mademoiselle Qiao attend. Elle n'attend plus grand-chose puisque sa note est tombée, mais c'est surtout que l'on attend la fin de l'échauffement au bar parallèle. Regardez. Normalement, il y a l'alternance des deux finales. Shannon Miller, championne du monde en titre, qui n'est pas apparue particulièrement affûtée dans ce championnat du monde, mais peut-être attend-elle les Jeux olympiques d'Atlanta pour être plus performante. Vous savez, quand les Américains décident de se fixer un objectif, eh bien, ils y parviennent. Ça a été le cas à Los Angeles avec Marie-Lou Retton, et puis Kim Zmeskal, et puis Shannon Miller, qui a tout simplement aussi réussi un beau parcours aux Jeux de Barcelone.
Et pendant ce temps, eh bien, se prépare au bar parallèle le Dossard 141 que l'on connaît bien, puisqu'il s'agit tout simplement du champion du monde du concours général, Li Xiaochang, qui n'a pas eu de chance dans les finales individuelles. Il est tombé au saut, vous l'avez vu, et il a dû s'incliner au sol devant Vitali Tcherbo. Mais là, je pense qu'une manœuvre un peu trouble a permis à Vitali Tcherbo d'être champion du monde, alors que le parcours de Li Xiaochang était exceptionnel au sol. Et au parallèle, regardez bien ce que la Chine nous propose, c'est tout à fait éclatant. Bascule coupé écart, que l'on appelle le takkai. Un peu compliqué, ça monte jusqu'à l'équipe. Ici, un double dans les barres, suivi d'un temps de ventre. Grand tour autour du bras en heli. Il en enchaîne deux. Le soleil. Un autre double dans les barres. Oui. En arrière, bien sûr. Et quelle belle réception. Demi-tour à l'équilibre. Et double carpé. Parfait, parfait, parfait. Sans faute. Alors là, si on voit mieux dans cette finale, eh bien, ça ne pourrait venir que de la part du Coréen Jung Jin So, peut-être de Ivankov, le Biélorusse, ou du Japonais Tanaka, à moins que l'autre Chinois qui va suivre soit encore meilleur que Li Xiaochuang, ce qui m'étonnerait. Regardez comment il réceptionne parfaitement ce salto double. Double salto arrière dans les barres. C'est une finale de très haute qualité à la barre parallèle. Oh. Li Xiaochuang. Et ce plan. C'était qualifié avec déjà une note de 725 sur le programme libre. Voici le double carpé. Ce sont des images qui doivent faire rêver certains réalisateurs comme Jean-Maurice Hogg qui réalise la gymnastique à Bercy et à Coubertin. Mais sachez que ici, et qui est présent dans notre régie, mais sachez qu'ici, on réalise la gymnastique avec 36 caméras. Ça peut faire rêver. Les gros moyens ont été mis, 3-4 caméras grues, comme celle-ci qui suit la progression de la petite Grotchova, Elena, pour la Russie dans la finale de la poutre. Un salto arrière tendu. Gros déséquilibre. Grotcheva qui a 16 ans et que l'on connaît assez peu. Elle était de la tournée de la France CEI à Coubertin. L'année dernière, à Paris. Mais c'est vrai qu'au palmarès, elle ne présente aucune médaille notoire. Peut-être l'occasion pour elle, justement. Oh là, ça m'étonnerait. Le niveau est si élevé que même si elle réalise quelques prouesses acrobatiques de haute virtuosité, avec ce petit déséquilibre d'entrée, et puis là, c'est pas stable. C'est vrai que c'est moins net, mais une finale au championnat du monde, on reparlera très certainement d'elle. Oui, elle a du tempérament. Double groupé. Elena Grotcheva, 16 ans. Beaucoup d'allure et le bisou d'Arkaïev. Pour Kna, c'est Russie, en russe, tout simplement. Ah, ça c'est pas mal, mais c'est pas très très élégant. Salto latéral. Ouais. Et là, elle a pris un risque énorme. La sortie, appel, impulsion. Double salto arrière, pas mal, mais on va voir encore mieux. Et notamment, après les parallèles du chinois, qui
qui se prépare, eh bien, nous aurons tout simplement Podkopayeva à la poutre. Alors, voyez-vous, le temps d'avoir la note. On y pense souvent en télévision. On se dit, c'est un temps qui est un peu long. À l'heure de l'électronique, ça devrait sortir tout de suite. Mais il y a des juges qui traînent un peu les pieds pour donner leur note. D'abord parce qu'ils ont peur de prendre un carton jaune. Donc, ils... Oui, Michel. Non, carton jaune ou carton rouge même maintenant, les juges sont évalués. Moi, je trouve ça normal. Pour limiter les écarts de points. Oui. Pour vous donner un exemple, lors de la chinoise, lors du passage de la chinoise Kiao, eh bien, les notes ont été à peu près à 5 dixièmes équivalentes. Là, Grotcheva obtient 9,562, moins que Yakiao. Et là aussi, ah, il y a un dixième d'écart entre le juge espagnol et le juge tchèque. Alors, attention à celui-ci. Entrée latéral. Celui qui sera certainement le plus inquiétant, Wang Liping, champion du monde en titre. Voyez ici, superbe double arrière carpé dans les barres. Ligne de corps impeccable. Gainage parfait. Soleil. Double arrière groupé. Ah oui, mieux que Tsuade. Oui. C'est plus propre, c'est plus net. Que Lixiao Chuang, effectivement. Salto au-dessus. Et double carpé. Ah là là là. Petit sursaut. Ah ah ah. Seule faute. Il est étonné. Étonné. Seule faute que l'on pourra retirer à cet exercice très complet et très original. Il est un peu étonné de sa réception. Il se dit tiens. Mais il avait fait un. Oh, beau. Voilà. Double quelle carpé. Ligne. Quelle pointe ligne. Parfaitement tendue. Oui. Toujours difficile à se réceptionner entre sous les biceps, ça fait mal. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des protections. Voilà le double groupé. Aïe, aïe, aïe. Dangereux, ça. Deux doubles arrière dans les barres pour cette combinaison très riche. Et ici, le double carpé en sortie. Bah, dis donc. Avec toujours la même perfection dans l'exécution. Seule petite faute, ce sursaut. Alors, sera-t-il meilleur que Lixiao Chuang qui a obtenu 9,675, je pense que effectivement étant champion du monde, il devrait passer à 9,750. Et bien voilà, première place pour le Chinois, mais il y a encore du beau monde. Et voici celle qui est déjà médaille d'or du concours général, mais également, ne l'oublions pas, médaille d'argent des barres asymétriques. Podkopayeva, spécialiste ou en tout cas habitué des finales de plus haut niveau à la poutre, deuxième au championnat d'Europe 94 et deuxième au championnat du monde 94, c'est-à-dire c'est elle qui est une prétendante des plus sérieuses. On peut bien voir salto carpé arrivé en poisson sur la poutre, la poutre entre les jambes. Salto facial. Salto avant. Elle attaque très fort sa poutre pour assurer la réception. Et elle a une stabilité musculaire exceptionnelle par rapport aux chinoises. Là, ça. Petite erreur. Oui, mais quand elle retombe, ça tombe pile. Bonne jambe. Ah oui. Bonne présence. Evry salto arrière. Corps groupé, c'était plus difficile que la concurrente précédente qui ne sortait qu'en double arrière groupé. Ici, elle s'est permis de mettre une vrille supplémentaire. Et en étoffant son programme, Lilia Podkopayeva va prendre vraisemblablement la tête de cette finale.
Certains ont estimé que c'était une championne de transition, mais parfois la transition dure. C'est vrai qu'entre Shannon Miller et les Jeux Olympiques d'Atlanta, on peut estimer qu'il y a un petit passage à vide chez certaines grandes postulantes au titre olympique. Et Podkopayeva s'est installée là en étant la plus sûre. C'est vrai que c'est une jeune fille qui ne commet pas d'erreur. Oui, elle a beaucoup de tempérament. Elle est très agressive sur les agrès. Oui. 9,837. Eh bien, mon cher Michel, il va falloir faire beaucoup, beaucoup plus fort pour remporter cette médaille d'or. Tanaka réveille les 8500 spectateurs de ce Sundom de Sabae. Tanaka, remarquable gymnaste qui a obtenu déjà pour le Japon une médaille de bronze par équipe avec ses copains. Et puis, ne l'oublions pas, Tanaka peut apporter également une deuxième médaille individuelle puisque le japonais Takeda a remporté la médaille d'argent au cheval d'arçon. Alors voyons voir s'il confirme Tanaka qui avait obtenu dans les autres concours la plus haute note à cet agrès, 9,787. Voilà, soleil double aria dans les barres. Pour ma part, je dirais que c'était un petit peu au bénéfice de l'avantage du terrain. Il est chez lui ici, il travaille à domicile. Travail latéral, établissement jusqu'à l'équilibre. Voilà, demi-tour sorti des barres, nouveau travail latéral. L'alignement du corps est moins parfait que chez les Chinois. Mais c'est un bon exercice et jusqu'au bout, il se bagarre jusqu'au bout pour stabiliser cette chute. Et comme il est de la région de Sabae, eh bien d'abord il y a toute sa famille, tous ses copains, son club. Et vous entendez, petits applaudissements qui saccadent toujours la fin d'une évolution d'un Japonais. Ça peut apporter un petit plus lors du jugement. C'est normal. Voilà. Lorsqu'un Français évolue à Bercy, on attend de la part du public français la même réaction. Eh bien, au Japon, ils sont tellement bien conditionnés qu'on n'a pas besoin de leur demander. Ils applaudissent en saccade, en rafale. Mais enfin, il ne passera pas le Chinois. Hein. Les deux Chinois sont devant, je pense. Ça, alors, hier, je ne peux pas le dire, car il avait obtenu une note supérieure lors des qualifications pour arriver jusqu'à cette finale. Et ici, chez lui, ouais, 9,725, il est deuxième, il se place pile entre les deux. Ça alors, hein. Ah oui. Mais vous voyez mieux que moi, alors. Ah, elle est mignonne, celle-ci. Bien, c'est la petite roumaine Alexandra Marinescu. C'est un nouveau prodige de l'école roumaine. Parce qu'avec Amanar, Gojean, Milosovici, on atteint déjà un âge raisonnable pour les Jeux d'Atlanta. C'est une solide équipe, mais individuellement, attention à celle-ci. Elle a beaucoup de personnalité, de caractère et un dynamisme à revendre. Salto arrière tendu, pied décalé, déséquilibre. Bien rattrapé, oui. Mais... Marinescu, qui représente tout l'avenir pour la Roumanie. On l'a encore peu vu chez les seniors, mais par contre, elle était, Pierre, déjà championne d'Europe junior à la poutre l'année passée. Je trouve qu'elle a une silhouette intéressante à cet appareil. Une transversale importante maintenant. Oui, salto arrière groupé. Un petit peu bas.
mais c'est réussi. La Roumanie a toujours produit des jeunes filles de grande qualité à la poutre. Alors, est-ce que Marinescu, que l'on voit bien d'en haut avec cette caméra formidablement bien placée aussi pour suivre le moindre déséquilibre, et celui-ci, vous allez l'apprécier parce qu'on le voit d'en haut. Voyez comment elle rattrape, rétablit difficilement sa situation. Elle s'est peut-être sentie un petit peu près du bout de la poutre. La salto latéral. Le même que la russe Elena Gorocheva. La sortie est belle. Ah, les genoux un peu... Elle arrive un tout petit peu bas, le buste contre les genoux. Elle était bien partie en hauteur. Alors maintenant, eh bien, Marinescu, 9737. 9737. Elle prend la deuxième place momentanément et elle passe la chinoise Yakiao et la russe Gorocheva. En tête, Podkopayeva, et au parallèle, un garçon que l'on aime bien parce que chaque fois qu'on le rencontre, il est souriant et très avenant, Roustam Sharipov. Pour l'Ukraine. Un artiste qui aime bien faire du spectacle en démonstration et s'amuser avec le public. J'aime beaucoup. Mais ici, ça compte. Ce n'est pas pareil. Sharipov, champion d'Europe en titre, deuxième au champion du monde 94. Diamidov, grand tour complet autour du bras. Elie, salto avant enchaîné. Deuxième Elie. Ah. Et double avant. Beaucoup de rythme. Enchaînement sans interruption. Tous les éléments sont au temps. Demi-tour à l'équilibre. Et double carpé. Alors, ce qui est intéressant maintenant à suivre dans cette finale, c'est que, au parallèle, il y a un juge russe, un juge roumain, un américain, un allemand, un juge de Taipei. Voici le Moy exercice qui porte le nom d'un Français, Willy Moy, en équipe de France entre 76 et 80, et qui avait inventé cet exercice. Eh oui, il est à Forbach. On le salue bien. Et deux Français ont donné leur nom à, justement, un mouvement, le DEF à la barre fixe. Oui, on le reverra sûrement tout à l'heure lors des finales. Et le Moy aux barres parallèles. Voilà, travail en suspension. Avec établissement au-dessus de la barre. D'ailleurs, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas un Boutard et un Boerio. Eh oui, mais hein, il est trop tard maintenant. Ben oui. Attention, juste après cette note de Roustam Sharipov qui nous intéresse, mais qui est troisième derrière le Chinois Wang et le Japonais Tanaka. Regardez bien cette petite, elle doit vous rappeler quelque chose. Dominique Moceanu, que l'on dit déjà prête pour être la future Comaneci. Oh, beaucoup d'originalité sur ses tours, sur les épaules. Elle est toute petite, hein, mais entraînée par Bella Caroli à Houston, on peut se demander si aujourd'hui, en la regardant, surtout salto, sur salto, salto, trois enchaînés. Ah, c'est sûr. Fort. Petite et toute jeune, c'est la plus jeune championne des USA. 14 ans. Est championne nationale. 14 ans passés, mais attention. Ah, moi, quand je la regarde de dos, on dirait Comaneci. Elle avait 13 ans et qu'elle est devenue championne d'Europe. Oui, oh, voilà, oh, quel équilibriste parfaite. Bien. Encore un programme
très très fort, mais quand même. Hein. Double arrière groupé, beaucoup de rythme, bien enlevé. Alors, elle va rejoindre Bella Caroli. Vous le connaissez, regardez les caméras. Et déjà, il commence son numéro, un numéro qui pourrait être exceptionnel dans un an à Atlanta. Il détient sûrement là un petit prodige. Voilà la série des trois saltos, arrière tendu, pied décalé. Ah oui, qu'est-ce qu'elle retombe bien sur ses pieds. Et là, on va encore avoir une autre facette de son évolution qui, à mon avis, Michel Boutard, certains me disent que c'est du pipeau. Moi, je vous dis, Caroli nous prépare du Comaneci à Atlanta, comme ce fut le cas il y a 20 ans à Montréal. Et je ne serais pas étonné de voir cette petite jeune fille encore boudeuse devenir une star. Elle a encore une dizaine de mois pour se préparer jusqu'aux Jeux Olympiques. Et ça va très très vite chez les jeunes filles. J'ai croisé Bella Caroli dans les couloirs de l'hôtel. Il m'a, avec un sourire malicieux, il m'a fait comprendre qu'il fallait s'attendre à quelque chose d'exceptionnel dans moins d'un an. En tout cas, pour l'instant, elle est première ex aequo à la poutre avec Podkopayeva. Retour à la barre parallèle. Et le Coréen, Jung Jin So. Alors déjà que Yeo Hong Chul n'a pas eu de chance au saut, voyons si celui-ci va réaliser une belle... Eh ben non. Pourtant, il était en forme à cet agrès. C'est dommage. Il l'avait démontré le mois précédent au championnat du monde universitaire. Deux fautes, il peut s'arrêter. Hein. Ça, c'est fini. Et là, c'est une catastrophe. Il a eu la médaille d'or aux Jeux universitaires à Fukuoka. Mois dernier, il a gagné les championnats du monde universitaire à cet agrès. Il était déjà finaliste à Brisbane au championnat du monde. C'est dire que ce n'est pas n'importe qui au bar parallèle. Et pourtant, ici, il a complètement manqué sa finale. Mais l'entraîneur n'a pas l'air très content. Hein. Cela pour vous dire, mon cher Michel, que rien n'est fait à l'avance en gymnastique. Absolument. Et qu'on n'a pas comme au tennis un deuxième... Vous voyez, il met la main à côté et il se retourne le doigt. Oui, au tennis, on peut perdre les deux premiers sets. On a encore troisième pour se refaire. On ne sait jamais, ça peut rigoler. En gym, en 45 secondes, vous loupez toute votre préparation d'une année. C'est quand même... Oui. De temps en temps, je pense qu'il faut le dire. Il y a très longtemps, en gymnastique, lorsqu'on manquait son exercice, on avait le droit de recommencer également. Si l'on n'était pas satisfait et que l'on pensait pouvoir faire mieux, on levait le bras, on se présentait au juge et l'on pouvait recommencer. C'était dans les années 50. Dans les années 50 et avant, ça n'existe plus. C'est l'heure de vérité. J'allais dire, c'est la minute de vérité pour beaucoup d'athlètes, parce qu'en moyenne, tous les mouvements... dure ce temps-là, sauf les barres asymétriques qui sont un peu plus courtes. Alors maintenant, l'événement, c'est tous les regards qui se portent vers la poutre avec cette merveilleuse petite chinoise, Mo Huilan. Attention, ça va être du équilibre sur un bras. Au niveau mondial, elle n'a pas gagné cet agrès, elle n'a pas encore eu de médaille. C'est étonnant. Elle a gagné quand même les Jeux Asiatiques, ce qui est une bonne référence quand on connaît la Chine, grande spécialiste à cet agrès. Elle n'a pas eu de chance depuis le début de la compétition, cette jeune fille. Salto facial. C'était peut-être elle, la future championne du monde, elle est tombée à la poutre. Et je suis sûr que c'est son jour aujourd'hui. Je la sens bien sur cette poutre. Ah, cette joli coup parfaite. De pied. Salto tendu. Formidable.
une grâce. Très sûr d'elle. Bien. C'est très très fort. Très très fort. La sortie, il faut qu'elle soit stabilisée. Elle est championne du monde. Ah oui, ouais. Tout petit pas. Non. C'est bon. Un tout petit pas, mais c'est tout à fait possible. Ah, écoutez, je vais essayer de... Tiens, on joue quelques yens. Oui, 9837 à battre, je et pense que c'est possible. Mais Pote Copaillé va regarder. Mochi à nous, agent. Même les copines de cette finale sont impressionnées. Ah non, là vraiment, oui, les autres sont pas mieux. Allez, on lui donne la médaille, nous. C'est sûr, regardez bien maintenant. Ça, c'est le moment le plus spectaculaire. Salto arrière. Salto arrière tendu avec beaucoup d'amplitude. Elle fait une impulsion, tout comme elle pourrait le faire au sol. Là, elle se bloque un peu, mais volontairement. Et il repart. Oh, moi ce que j'adore. Elle se fait 9,90 pour la sortie. Oh, voilà le petit dixième qui l'a séparé du 10, c'est celui de la sortie. Mo Lilan. Un petit bout de chou venu de Pékin qui a enfin sa première médaille d'or dans ces championnats du monde. Il y en a encore deux à passer, mais non. Ça semble impossible. Il ne faut pas. C'est très bien comme ça, parce qu'elle est extraordinaire et c'est bien mérité. 9,90, elle aurait pu avoir 9,95. Bien que derrière, il y ait encore Shannon Miller. Mais enfin, on retrouve les parallèles avec le japonais Takeda, déjà médaillé au saut. Oh, pardon, au cheval d'argent. Vous avez fait médaille d'argent. Mais oui. Voilà, double avant, coupé écart un petit peu juste. Il a pris la place de Poujade. Il a mis devant un quart, c'est-à-dire un tour un quart sur le bras, travail latéral. Voilà, du placement jusqu'à l'équilibre. Double carpé. Du beau travail. Mais on reste tellement ébloui par la performance de la petite chinoise à la poutre, que j'avoue que ce mouvement du japonais m'a paru un petit peu pâle par rapport à ce que nous venons de vivre il y a quelques secondes. Oui, véritablement. Bon travail, mais ça ne devrait pas inquiéter les trois premiers actuellement de la barre parallèle. Le chinois, l'autre japonais Tanaka et l'ukrainien Sharipov. Ça ne devrait pas excéder ses scores. Et puis Takeda a déjà été servi une médaille d'argent. Ça le fait sourire. C'est la première fois qu'il se retrouve en finale aux barres parallèles. Oui, en plus. Donc c'est une belle performance. On peut noter quand même qu'à l'occasion de ces championnats du monde, les Japonais ont fait un gros effort de préparation parce qu'ils avaient un peu disparu des podiums. Hein. Yoashi, donc. Et les deux petites, Mochi Anu, qui vont regarder la grande aînée. Mo Ilan et Mochi Anu qui regardent Shannon Miller, autre gabarit, autre silhouette, plus épanouie. Ce n'est plus une petite fille, Shannon Miller. Une fille qui a du caractère, championne du monde en titre. Il faut vraiment qu'elle réalise un exploit pour remonter la note de 9,90 obtenue par Mo Whelan. Roule d'arrière qu'elle enchaîne deux fois. C'est pas mal. Jusqu'à l'équilibre, bien sûr. Et elle a dû adapter, ne l'oublions pas, un nouveau mouvement, en tous les cas, l'adapter à sa nouvelle morphologie. Parce qu'il y a deux ans, Shannon Miller pesait 5 kilos de moins. Et était beaucoup plus petite. Voilà, deux saltos arrière tendus enchaînés. C'est bien. Il y a moins d'amplitude que la petite Mo sur ses acrobaties. Mais en tout cas, elle défend bien son titre. Pour l'instant, pas d'erreur. Oh, oui. C'est bien.
passage qu'elle a mieux réalisé qu'hier. Pour ceux qui ont pu la voir déjà. Et Brice Altoirière, corps groupé. Eh bien, c'est très très bon. Ce sera très difficile pour les juges de les départager. Oui, mais je pense que Shannon Miller montera sur le podium parce que elle le mérite. Elle, ah oui, a, oui. Elle a vraiment podium, j'entends, deuxième, troisième, hein, deuxième place. Hein, maintenant, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a Mo Whelan pour la médaille d'or, Podkopayeva et Mocheanu, toutes les deux à égalité. Donc, on pourrait avoir peut-être trois deuxièmes. Pourquoi je pas. Ne sais pas, je ne sais pas. Ce sera. Hein? Il reste peu de place entre le 9837 et le 9900, mais c'est possible. Alors, tout dépend du jury, en tout cas. Mais une petite faute de pied, là. Hein, même si c'est un tout petit peu moins pétillant que Mo, c'était du travail parfait. Ah, c'est du ici, travail. Un tout petit pas. Ouais. Alors, l'entraîneur américaine que vous voyez là, qui n'est pas une. Une dame très facile, dirons-nous, qui serre la vis en permanence à Shannon Miller, la privant de sucreries, c'est normal. Mais quand même, entre cet entraîneur et Shannon Miller, j'ai pas l'impression que le courant passe beaucoup. C'est Madame Nuno que nous avons vue là. Hein. C'est celle qui elle s'entraîne, elle n'est pas mariée avec Steve Nuno, mais... Non. Voilà, 9, eh bien, je suis désolé, mon cher Michel, mais... 9,762. Miller n'aura pas de médaille, elle est quatrième. Eh oui. Retour sur les parallèles avec Ivan Ivankov, celui qui avait créé une certaine sensation à Brisbane l'année dernière, en devenant champion du monde, et puis qui est un peu en demi-teinte dans ce championnat du monde au Japon, un an après. C'est assez étonnant. Double arrière groupé dans les barres. Voilà, le grand tour Eli. Valse sautée, sortie des barres. Pour vous donner une... Salto au-dessus. Oui, je dirais quelque chose après. Double carpé. Voilà. Ivan Ivankov qui réussit un bon mouvement comparativement à celui qui nous avait... présenté lors du concours général. Et pour vous donner ou vous situer la valeur de la place de Patrice Casimir, qui a terminé 15e du concours général, eh bien derrière lui, il y a du beau monde, avec notamment ce champion du monde 94 en Australie, Ivan Ivankov. C'est dire si désormais Casimir et les gymnastes français en général sont performants. Parce qu'on ne peut pas dire que 15e d'un championnat du monde, ce n'est pas beaucoup par rapport à d'autres places réalisées dans d'autres disciplines sportives. Mais lorsque vous avez derrière vous, eh bien, certains Supola, un Sharipov, un Ivankov, un Karbonenko et les Américains, eh bien, on peut dire que la 15e place de Casimir est de très haute tenue. Oui, c'est la meilleure performance française sur le concours individuel depuis bien longtemps. Oui, peut-être Raymond Dodd dans les années 50, je pense, mais je suis pas certain. Puis il n'y avait pas toutes les nations comme aujourd'hui. Hein. Ah, nous l'aimons bien celle-ci. Dina Kotchekova, elle a beaucoup de classe. Beaucoup de classe, naturelle. Nouvelle venue dans une finale mondiale à la poutre. Elle n'a rien à perdre. Une des préférées de Laura Guerrer. Allez. Pas mal, pas mal, pas mal. Elle a fait une traversée risquée. Oh, la vrille. Voilà, une vrille poisson. Comme Tessa. Sur le flip, elle met une pirouette et elle arrive, jambes écartées, sur la poutre. Tessa fait plus fort. Hein. Tessa, elle fait plus fort. C'est une autre difficulté. Elle fait sur un salto arrière une pirouette, mais la poutre est transversale. Et elle enchaîne avec un tour d'appui sur cette poutre, ce qui est une toute autre difficulté.
Aïe. Voilà, nouveau. Philippe Poisson avec une vrille. Elle a un programme extrêmement périlleux. Beaucoup plus fort que Shannon Miller, c'est certain. Double groupé. Et la chinoise, Mo Yilan, sait qu'elle est championne du monde à partir de l'instant où elle vient de voir Dina Kochekova, oui, la dernière à passer, parce qu'elle s'est rendue compte que même si la petite russe avait réalisé de grandes acrobaties, comme ici avec cette allée vers la fin de la poutre et cette... Riz-poisson. Mal rétabli. Ça doit faire mal d'ailleurs, en retombant sur cette poutre. Et peut-être que Kochekova peut arracher une médaille d'argent. Non, j'en serais bien surpris. Eh bien, n'oublions c'est pas que Podkopayeva moins bon que Miller aussi. Et Mochianou. Alors, si Mochianou obtient la médaille d'argent aujourd'hui, avec Podkopayeva, derrière cette jolie chinoise Mo Yilan, la voici, Mochianou. C'est le début d'un, je vous l'ai dit et je vous confirme, d'un grand moment pour les Jeux d'Atlanta. Et 9725, elle est sixième, Kochekova. Oh là là, durement noté. Et Podkopayeva va obtenir, disons, sa médaille d'argent après avoir gagné le saut médaille d'or et la médaille d'argent aux barres asymétriques. Et le grand Vitali Tcherbo va boucler la finale au parallèle. Alors il n'a plus rien à démontrer à cet agrès puisqu'il est champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, en dehors de tous les autres titres. Il est surtout remarquable de perfection dans l'exécution de ses exercices, saltant incarpé dans les barres. Vous lui direz la prochaine fois qu'il ne choisisse pas le gris. Travail latéral, bascule, valse, demi-tour sur une barre, il va recommencer, demi-tour sur une barre, et double carpé. C'est bien, ouais. C'est tonique comme mouvement, hein. C'est moins huilé que les Asiatiques, moins huilé, et d'ailleurs... Li Xiaoxuang regarde avec intérêt toujours évoluer Tcherbo qui lui a fait le coup au sol, le coiffant sur le fil. Et j'ai l'impression que... Alors là, les juges, ça va être intéressant parce que le Tcherbo a l'avantage d'avoir un juge russe au parallèle. Oui, oui, oui. On va regarder ça de très près et au bar parallèle, certes, le jury... Et beaucoup plus proche de la Biélorussie que de la Chine. Hein. Avec le russe, le roumain qui lui seront certainement assez favorables. De toute manière, dans son exécution, Tcherbo ne fait pas la part belle au juge puisqu'il ne fait jamais aucune faute. Et qu'il s'en remet donc totalement à eux pour juger la combinaison. Un petit peu en comparaison aussi avec les concurrents précédents. Et voilà. Tcherbo est en tête. Oh, voilà. Là, 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 là. 9812, rien à enlever sur ce mouvement. Il est content. Même mais si un certain Wang Liping a fait une combinaison plus originale. Oui, oui. Et je vous avais dit que ce Tcherbo, il a une cote d'amour. Nouveau titre pour lui. C'est fou. Deux médailles d'or au sol et justement donc maintenant au bar parallèle. Il exulte et nous allons revoir ce Tcherbo à la barre fixe. Alors, finalement, ce garçon qui a réalisé un parcours historique à la gymnastique aux Jeux Olympiques de Barcelone, ne serait-il pas en train de remonter le courant pour être à Atlanta difficile à battre? Parce que les notoriétés qui s'établissent comme là... durant 4 ans sont difficiles à détruire. Écoutez-le. Il parle toujours le russe, bien qu'il vive aux États-Unis désormais. Oui, il était à Woodward en Pennsylvanie. Je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à celle-ci. Mais avec lui, tout est toujours possible.
Eh oui, il a perdu le concours général, mais il se rattrape bien. Déjà deux médailles d'or. Et Mademoiselle Mo obtient la première médaille de sa carrière, une carrière très prometteuse, parce que je pense, Michel, que compte tenu de son âge et de sa silhouette, elle a encore une marge de progression très importante. En tous les cas, elle fera sûrement Atlanta lors de la finale de la poutre. Encore une évolution digne des plus grandes championnes que l'on ait connues à cet appareil. Et il y en a eu depuis une vingtaine d'années que nous suivons ça de près. Vous le constatez certainement comme nous, nous avons perdu la liaison son avec nos envoyés spéciaux. Pour l'instant, bien entendu, c'est la cérémonie protocolaire de cet exercice à la poutre que nous venons de suivre. La poutre qui est incontestablement l'agrès le plus difficile, le plus spectaculaire également.
ces 10 cm sur lesquels il faut impérativement tenir. Et comme souvent, souvent, dans la gymnastique artistique, il y a un podium, mais ce n'est pas un podium tout à fait classique, puisqu'on retrouve donc la petite chinoise Mo à la première place, devant ex aequo l'américaine et la petite Podkopayeva. Nous allons entendre à la deuxième place ex aequo deux médailles d'argent, donc une médaille d'or, deux médailles d'argent, pas de médaille de bronze. L'américaine Shannon Miller devant se contenter de la quatrième place. Nous entendons l'hymne chinois, alors que je pense que nous avons récupéré nos envoyés spéciaux, l'hymne chinois. Oui. Merci Nelson, on se retrouve en direct donc de Sabae au Japon pour écouter l'hymne de la Chine. Mademoiselle Mo Huilan qui s'est entraînée avec les gymnastes de l'équipe de France pendant 15 jours dans la région de Pékin et qui donc désormais connaît quelques mots de français puisqu'elle a côtoyé les Laetitia Béguet, Isabelle Severino notamment et Elvire Teza. Mademoiselle Podkopayeva et puis celle-ci. Alors attention, vous avez sans doute... Si vous, il y a 20 ans, vous aviez suivi les Jeux Olympiques de Montréal en 76, peut-être que ce visage vous dit aujourd'hui quelque chose. Je pense que c'est une future Comaneci, la petite américaine Mochianu. Quant à Lilia Podkopayeva, eh bien, elle est gâtée. Gâtée dans ces championnats du monde parce qu'elle a été... Elle le mérite, parce qu'elle a été la plus sûre, peut-être pas la plus étincelante, diront certains, mais en gymnastique et comme dans d'autres disciplines, c'est celui ou celle qui ne commet jamais de faute qui finalement gagne, et ça a été le cas pour donc Lilia Podkopayeva, championne du monde du concours général, encore médaillée ici même, alors qu'elle a été au saut de cheval. Et je puis vous dire que tout cela nous amène maintenant au énième podium de Vitali Tcherbo. C'est extraordinaire comme carrière, quand même, hein, Michel Boutard. Parce que nous, on l'a vu à Nantes, on l'a vu à Paris, on l'a suivi dans des galas de tournée. Il était épais, il mangeait bien, il buvait pas mal, enfin sans excès bien évidemment. Mais je veux dire, pour un athlète de cette dimension, on s'imaginait qu'il avait une hygiène de vie exceptionnelle. Et puis il relâche un peu, hein. C'est un type doué, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr, il gagne, je dirais, grâce à son mental, grâce à son tempérament, parce que c'est toujours une surprise pour nous. Il arrive une semaine avant la compétition, il apparaît assez peu en forme, et au fur et à mesure de la compétition, qui dure, il est vrai, assez longtemps, puisqu'elle a duré une dizaine de jours ici à Sabae, il se met progressivement en forme pour arriver, je dirais, au top pour les finales. C'est assez incroyable comme mode de préparation. Il est vrai que c'est l'exception qui confirme la règle et il n'y a que lui qui est capable de ça. Ce n'est pas forcément l'exemple à suivre au niveau de la méthode, mais en tout cas, ça marche pour lui. Oui, c'est un exemple que vous ne donnerez pas aux gymnastes français, quand même. Hein. Non, je ne pense pas qu'on ait parmi nos gymnastes encore des personnalités capables de telles ressources, car ça ne s'improvise pas, il a ça en lui. Et bon, c'est l'exception. Et il me fait penser un peu à Bobka. Un Bobka qui, lui aussi, a des hauts et des bas dans sa saison. Mais au moment où il a envie de battre un record du monde, eh bien, il bat. Et Bobka, si vous voulez, Tcherbo, c'est du même, j'allais dire, du même tonneau. Et, hein, l'un est ukrainien, l'autre biélorusse, mais ils ont le même tempérament, un peu fantasque parfois. Et sérieux lorsqu'il le jour arrive, le jour J. Et ce podium-là, eh bien, regardez-le bien, parce que
Finalement, il résume un peu toute la compétition masculine. Un russe, un biélorusse. Ben oui, il a été russe pendant un temps lorsqu'il était champion olympique. Un biélorusse est à ses côtés sur la deuxième marche, deux chinois. Lui aussi, Xiaoxiang, qui a dominé le concours général, et Tcherbo qui n'a obtenu que la médaille de bronze. Mais voilà, résumé presque ces championnats du monde. Pierre, médaille d'argent pour Tcherbo, justement, c'est ce qui est étonnant au concours général. Oui, oui. Une médaille d'argent, et c'est la quatrième médaille qu'il prend ici, après avoir fait de l'or au sol, la barre parallèle, et du bronze au saut de cheval. Est-ce que je vais vous proposer maintenant, si vous n'étiez pas au rendez-vous d'hier, et je pense que Raoul Sraibi va nous envoyer ça de Paris avec Jean-Maurice Hogg, c'est le sol de Vitaly Tcherbo qui lui a permis de remporter une nouvelle médaille d'or. Dans quelques instants, je pense qu'on aura quel est ce magnétoscope. Eh bien, voici donc, oui, Vitaly Tcherbo, donc, au sol, lorsqu'il a remporté la médaille d'or à la barbe de Li Xiaoxiang. Eh oui, on se retrouve en direct. Alors, la raison, mon cher Nelson, on va pas dire que les juges sont totalement responsables du retard, parfois, de la... du bon ordonnancement de la compétition, mais sachez que le satellite qui transmet ces images depuis le Japon, eh bien, a été caché pendant 5-6 minutes par le soleil. Voilà la raison de cette coupure d'image. Revenons donc aux deux finales exceptionnelles qui vont se dérouler maintenant, le sol dames et la barre fixe messieurs. Et là, nous avons la chance d'avoir une Française en finale, Ludivine Furnon, qui va être en cinquième position. Et c'est Johanna Juarez pour l'Espagne qui ouvre le bal. Et tout de suite, un double tendu. Réception trop basse. Johanna Juarez, qui n'est pas une Française, espagnole, mais qui est entraînée par un Français, Éric Boucharin, qui s'est expatrié en Espagne il y a déjà 5 à 6 ans. Ah. Elle a beaucoup de personnalité, cette espagnole. Diagonale, la plus riche. Tempo, flip et double vrille. Vrille avant, percuté, salto avant. Bien, Juana Juarez pour l'Espagne, la première à étalonner cette finale avec une note qui devrait voisiner autour de 9,60, 9,65. On revoit son entrée double tendue, il y a une petite faute de jambe et réception un petit peu basse. Juarez qui avait fini au concours général individuel à la 17e place et avait obtenu une excellente note de 9,775 au sol. Voyons voir si elle fera aussi bien cette fois. La série de tempo, c'est-à-dire ce sont les flips enchaînés mais sans pause de main. Thank you.
note va apparaître maintenant pour l'Espagnol. Le jury de ce sol féminin est très diversifié. 9,462 pour l'Espagnol. Juge autrichien, bulgare, argentin, mexicain, sud-africain et slovaque. Et à la barre fixe, c'est le début de la haute voltige avec l'Italien Boris Preti. Très belle ligne de gymnaste. Voilà, Stalder inversé, jambes serrées entre les bras, c'est un travail près de la barre. Se prépare pour un lâcher. Franchement, c'est le catch-off. Tour volant, reprise d'un bras. Grand tour d'un bras. Et franchissement dorsal catch-off d'un bras. Autre tour volant, autre tour d'un bras. Changement de face, maintenant il va faire son passage dorsal. Petite interruption, voilà, engagé disloc, grand tour dorsal. C'est obligatoire d'avoir un passage dorsal à la barre fixe, c'est imposé par le code de pointage. Grand tour soleil et la sortie, double tendu avec une vrille. Voilà, démarrage donc sur les chapeaux de roue, si j'ose dire, dans cette finale à la barre fixe. Où Boris Preti, l'Italien, va lui aussi étalonner un petit peu la valeur de ses mouvements. Le passage franchissement dorsal bien rattrapé. L'athlète monte à plus de 1 mètre, voire 1 mètre 50 au-dessus de la barre. Là aussi, lâcher important. Et la sortie après. Sortie en double tendu avec la vrille. Et c'était bien exécuté. Boris Preti qui a déjà 27 ans, qui pensait mettre un terme à sa carrière après ses championnats du monde, mais l'Italie est qualifiée pour les Jeux Olympiques, tout comme la France. Et il va donc prolonger de quelques 8 à 9 mois. Il a raison, il est encore très présent dans ce concours. C'est un spécialiste de la barre fixe. Et regardez Vitali Tchervo qui se concentre. Après 2 médailles d'or, est-il capable d'en gagner une troisième? Ça, c'est un défi qu'il s'est lancé. Tout est possible. Et Karbanenko, que vous croisez également, qui est marié à une Française, qui est installée à Moscou au bureau des envoyés permanents de la chaîne d'en face, autrement dit TF1 pour ne pas la citer, Boris Preti, Karbanenko qui parle très bien français, qui avait participé au championnat de France à Saint-Nazaire. Mais attention, Mohylan, la médaille d'or à la poutre que nous avons vue il y a une quinzaine de minutes, s'élance maintenant pour 1 minute 35 d'exécution au sol, avec une chorégraphie superbe. Double tendu. Très bien. Et demi. Grand sursaut en avant. Ben oui, un dixième, que tout le monde aura remarqué. Vrille avant, percuté, salto avant. Elle est légère, hein. Allez, Mohylan. Vrille, salto arrière, carpé. Voilà, la musique qui rappelle bien évidemment les grands shows de Jerry Lewis et puis même de Michel Leeb, puisqu'il a adopté cette musique pour un
numéro à la machine à écrire que vous connaissez bien. Et Jerry Lewis. Et Mo Willan, qui évolue donc sur ses intonations. Alors, ces modes notes musicales ponctuées. On revoit la faute ici. Oui. Et c'est une faute qui va peser lourd, même si son programme est aussi explosif que son évolution à la poutre. Et là, effectivement, c'est une acrobate. Mais le sol féminin a la particularité d'être aussi le grand moment artistique de la gymnastique. C'est la raison pour laquelle des jeunes filles qui ont peut-être moins d'acrobatie dans leur programme sont plus danseuses, plus artistiques et ont des notes plus bonifiantes. Nous le verrons au cours de cette finale avec notamment 1960, donc pour Mo Willan, avec notamment, vous disais-je, les Roumaines, l'Ukrainienne, mais également la Française Ludivine Furnon, qui a peut-être un joli coup à jouer dans cette finale. Karbanenko, les bras les plus puissants de la gymnastique. Pour la Russie. Voilà, Kovacs. Salto arrière, groupé au-dessus de la barre, reprise, ici tour volant, deuxième tour volant enchaîné. Ginger, salto arrière, demi-tour, reprise de barre. Bien, bien Dimitri. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, terrible, parce que... Ah, il n'en revient pas, le pauvre. Ah, là, voilà. Là. Il était bien parti, il s'est déporté vers la gauche, hein, Michel. Et on va revoir la faute. Ici, demi de Choukarine, un tour complet autour du bras, suivi d'une pirouette complète. Et il doit enchaîner le Stalder, mais il n'est pas tout à fait dans l'axe. Et voilà. Trop à gauche, il ne pouvait plus évoluer. Relâchement. Ah, il reprend bien évidemment le mouvement pour se classer, mais il sera huitième de cette finale, à moins d'une chute d'autres concurrents. Karbanenko qui disait hier à Poujade, t'as pas eu de chance. Ils sont très amis tous les deux. Allez, il méritait une bonne note hein, avec un programme aussi risqué et acrobatique. Dimitri Karbanenko qui sera de retour un de ces quatre matins en France, qu'il aime beaucoup. Ah, il est déjà licencié au club d'Antibes. Mais oui, il s'entraîne avec Poujade et tous les titulaires à part entière de l'équipe de France d'Antibes, qui demeure l'un des fiefs de la gymnastique française masculine. Ah, il disait à Poujade hier, t'as pas eu de chance au cheval d'Arçon. Il n'a pas eu de chance à la fixe. Vraiment. Et lui fait comprendre qu'il n'aurait jamais dû se déporter vers la gauche. Mais enfin, on peut toujours dire ça après le mouvement, mais c'est dans l'action. Et il en sourit même. Bon, ça va. Ah bah, il ne peut plus rien faire maintenant. Hein. Il est trop tard pour se rattraper. Doué hein, quand même comme gymnaste, hein, champion d'Europe. Il a gagné la Coupe d'Europe à Bruxelles. Nous avait beaucoup impressionné par sa puissance. Mais la puissance ne suffit pas en gymnastique. Regardez-moi ça. Si ça dégringole, une note de 9,20, ça aurait été gentil. Mais il est 8,960. Simona Amanar, médaille d'or au saut avec Podkopayeva. Au sol, elle est éclatante. Oui, certainement une des prétendantes au titre. Elle vient de gagner la Coupe d'Europe à Rome au sol et c'est dire qu'elle est en forme. Très bien. Oui.
casser, salto avant. C'est trop bas, c'est assis. Ah, ils mettent toute leur énergie dans ces acrobaties au détriment un petit peu d'artistique. Mais enfin, c'est la comme la fausse. Oui, oui. Bon, ça nous arrange bien. Absolument. Mais ça fait vrai qu'elle réussit quand même parfaitement. Oh là, le vrille. Vrille, mais alors à une hauteur. Simona Amana, prétendante à la médaille d'or au sol, mais avec une petite faute de réception qui va peut-être lui coûter cher, comme l'imperfection de la réception de la chinoise Mo Yilan lui a coûté aussi quelques dixièmes. Nous en sommes qu'à 9,60 pour l'instant. Voilà, les trois premières concurrentes ayant fait de petites fautes, les notes ne sont pas encore montées très haut. Ce sera donc favorable pour la petite française Livine Furnon. Mais attendons sa prestation dans quelques instants. Il y aura encore Mojeanu entre les deux. Et oui, l'américaine, voilà, c'est là qu'elle perd quelques centièmes précieux. Belle hauteur, beaucoup de détente chez Simona Manard. Manque un peu de sourire, comme toutes les Roumaines, je ne sais pas pourquoi. Alors que d'autres gymnastes ont compris que la télévision, d'une part, mais aussi le sol en particulier étant une scène de spectacle, eh bien certaines gymnastes qui ont tout de suite un pouvoir de séduction beaucoup plus fort. Et 9,437, Simona Manard ne sera pas sur le podium. Et voici l'artiste, Vitali Tcherbo, pour une nouvelle médaille à la barre fixe. Et je peux vous dire que ce qui est arrivé à Karbolenko ne va pas lui arriver. Je touche du bois pour lui, mais c'est un métronome, Tcherbo. Allons-y pour le premier lâché. Il a un mouvement assez classique, mais voilà, aucune faute à retirer. Donc, le premier catch-off, deuxième catch-off, jambes serrées, et troisième lâché de barre en ligne. Il a fallu repartir lui aussi vers le côté gauche. Oui, il était un peu sur le côté de la barre. Tour dorsale. Se rattrapait bien parce qu'il n'était pas très bien placé sur son passage sur le dos. Accélération, c'est déjà la sortie. Une vrille complète sur le double arrière tendu avec une petite faute de réception. C'était un tout petit peu moins net que d'habitude. Oui, il était meilleur au concours général sur ce coup-là. Mais bon, ben, il est en fin de parcours de cette compétition. Il a beaucoup donné pour la Biélorussie et puis pour lui-même. Regardez ce plan spectaculaire du passage important. Le catch-off jambes serrées qui l'amène d'un bras. C'est joli, sous cette coupole impressionnante et lumineuse. Ah, c'est beau. Alors la note de Tcherbo va apparaître et vous saurez tout de suite s'il est dans le coup pour une nouvelle médaille. Là, il s'est déporté complètement sur la gauche. Et après, c'est difficile de revenir parce qu'on a un petit contretemps. Voilà. Et oui, petit pas en arrière. Tcherbo, que Karbanenko regarde avec envie. Parce que, voilà, il lui a soufflé la note. Et Tcherbo prend la tête du concours avec 9,725. Eh bien, c'est une bonne note, peut-être une trop bonne note. Mais ça lui permet de prendre la tête. Ah, Michel. 1 minute 30 pour savoir si Dominique Mocianu va nous époustoufler. Regardez, c'est la Nadia. Petit modèle. Ah.
Il y a une brillamment. Bande, il y a une bande qui est défaite, oui. Qui est défaite. Ça va pas le handicaper, mais c'est... Vous croyez? Oui. Peut-être pour les appuis. On a brillamment tracté, c'est le toit entendu. Ça tape fort. Très fort. Sortie de praticable. Eh oui. Et bien, chute. Et décidément, cette finale au sol nous réserve bien des surprises. Ah, ben Michel, on peut dire que Dominique Moceanu fait ses premières armes au championnat du monde et qu'elle vient de connaître, bien évidemment, la malencontreuse chute qui n'était pas prévue à son programme. Mais Bella Caroli, qui en a vu d'autres, en sourit et lui dit, tu vois... C'est comme ça qu'on apprend à devenir championne. Voici le moment. Il dit, la prochaine fois, tu vérifieras ton matériel. Oui, mais je n'allais pas tomber à cause de ça. Hein. Ça a dû la gêner quand même, dans la concentration. En tout cas, même si ça ne l'a pas trop gêné sur le plan technique. En tous les cas, elle monte très haut, ses vrilles. Ah, et là, c'est ici avant. Qu'elle se jette trop. Bah oui, oui. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Eh oui, Bella, ah, il est... Bella Caroli, cet entraîneur roumain qui avait découvert Nadia Comăneci il y a de cela maintenant 23-24 ans, qui l'avait amené au Jeux de Montréal à 14 ans. Et la roumaine, à l'époque, la petite fée, avait obtenu 7-10 dans les Jeux Olympiques. En faisant la gymnaste la plus connue dans le monde, et on s'en est aperçu encore ici, 20 ans après son exploit, ou presque 20 ans, elle reste une star, au même titre que les grands noms du sport qui sont difficiles à effacer, tels que Pelé, Borg, Senna, Prost, et bien d'autres. Ou Kili. Et bien Comăneci est une valeur certaine qui a fait rêver des générations de gymnastes. Et elle nous a confié à Stade 2 que cette petite moitié à nous gardait tout son mystère. Moi je puis vous dire qu'Atlanta ce sera une star. Enfin. 9-0-87 pour moitié à nous. Alors, si mes comptes sont exacts, il reste 4 gymnastes à passer. Une Ukrainienne, une Roumaine, une Chinoise et une Française. Ludivine Furnon, joli prénom. Et les notes ne sont pas montées au-delà de 9,60. À la barre fixe, Dounev de Plovdiv, le Bulgare. Voilà, les 4 chauffes enchaînées, 3e lâché. Quatrième lâché avec ce tour volant. Cinquième lâché avec cet autre. Sixième lâché enchaîné. Il conclut par un Ginger. C'est la plus grosse série acrobatique à la barre fixe que vous aurez l'occasion de voir à ce championnat du monde. Oui, parce que... Je me suis toujours posé la question de savoir, juste après la sortie qui réussit parfaitement... Oui, une double vrille sur un double arrière tendu. Bel exercice, le plus bel exercice que l'on ait pu voir ici ce soir. C'est un spécialiste, ou ce matin plutôt en France. C'est un spécialiste de la barre fixe, incontestablement. Et Michel Boutard, puisque nous allons suivre maintenant les divers lâchés, en voilà un, 4 chauffes, franchissement, comme on vous le dit, au-dessus de la barre. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Pourquoi les gymnastes se limitent à 3 lâchés? Mais c'est très difficile, Pierre, d'enchaîner les lâchés de barre. Et alors, là, on a la preuve. Ils font ce qu'ils peuvent en fonction des acquis qu'ils ont. On a la preuve que Dounev innove un petit peu dans ce domaine parce qu'il en a fait 6 au total. 6 enchaînés. Voilà. Et qu'une médaille lui est promise.
parce que je pense que les difficultés accumulées à ce niveau-là, eh bien, ça doit raisonnablement être... Très honnêtement, il devrait être devant Cherbourg, qui a eu 9,725. Ah, vous prononcez déjà... moi, j'aime bien aussi. Pour moi, ça me semble très clair. Il a pris beaucoup de risques pour battre Cherbourg, qui était en tête. Il y croit. Alors, ce gars, voilà, c'est le genre de gymnaste qui, au parallèle ou aux anneaux, n'est pas excellemment placé. Mais en revanche, en choisissant un appareil avec la nouvelle formule des championnats du monde par spécialité, eh bien voilà, un Douniev très très performant. 9,750, il prend la tête, effectivement, quelques centièmes de points devant Cherbourg, mais ça suffit pour détrôner le roi. Détrôner le roi, il restera encore quand même un Japonais, un Chinois. Et Dominique Moceanu, ben vous le savez, en raison de sa chute, ne sera pas sur le podium alors qu'elle avait obtenu une médaille à la poutre. L'événement pour la France, Ludivine Furnon, 15 ans au mois d'octobre. Elle a été formée à Nîmes, découverte par les entraîneurs roumains Popa et maintenant les bonifiés à Saint-Gigny à Marseille avec la chorégraphe Alexandra Adriana Pop. Et attention, c'est du joli travail. Double tendu. Bien. Alors les frissons commencent à monter car Ludivine Furnon, pour être précis, a obtenu 9,762 à l'exercice au sol dans le concours précédent. C'est-à-dire qu'elle peut prétendre ici à une médaille, les concurrentes précédentes n'ayant pas trop bien travaillé. Allez, Ludy. Bien. Moment important. Attention. Dernière phase acrobatique. On a jusqu'au bout. Risalto arrière corps groupé, pile chute. La surprise. Très bien, Ludivine, très bien, bravo. Il ne restera que trois concurrentes après elle. Moi, je crois très fort à une médaille pour la France au sol. C'est son jour. Au bénéfice de la défection de Miller blessé, elle rentre dans cette finale. Ludivine Furnon, embrassée par Pop, l'entraîneur roumain. Elle a été préparée par les entraîneurs chinois, Shimao et Lin Xuan à Marseille. Un joli parcours et elle n'a pas 15 ans. Ludivine Furnon qui va peut-être obtenir une note supérieure à au moins, j'allais dire, l'espagnol Juarez, ouais, à mon avis, la roumaine Amanar. Elle sera peut-être supérieure à la chinoise Movilan, pourquoi pas. Je pense qu'elle sera en tête pour l'instant. Et il restera trois concurrentes. C'est la prestation la plus nette, la plus pure que l'on ait vue depuis le début de la finale. Et elle sera dure à décrocher. Oui, Ludivine, 9,625, elle prend la tête du concours. Il ne reste plus que trois concurrentes. Moment intense, moment fort. Eh oui. On va trembler encore quelques instants. Oh, dans l'attente. Quelle belle surprise. Quelle belle surprise pour une équipe de France excellente. Par équipe, sixième, je vous le rappelle. Et aussi, grâce à ses individualités, Bégué, Teza, Severino. Et maintenant, Furnon. À la barre fixe, Andreas Wecker, l'un des grands spécialistes qui nous avait époustouflé aux Internationaux de France à Bercy il y a 4 ans, en réussissant un enchaînement très très fort, le Gaylord. Les Kovacs, c'est les enchaînettes de Kovacs. Je vais aller voir un salto ici. Voilà. Voilà. Il ne fait plus qu'une seule fois cet exercice, malheureusement. Quand je dis une seule fois, il le fait deux fois, mais il ne l'enchaîne plus. Ah oui. Quatre shots. Grosse piste de riz. Troisième lâché.
Et je pense que là... Là, c'est fini. Il va faire son passage dorsal et ensuite sa sortie. Voilà. Et c'est du beau travail. Et l'Allemagne est dans l'attente d'une médaille. Voilà, oui. Je me sens bien avec brille. Oui. Zecker toujours présent. Longue carrière sous les couleurs de la République démocratique allemande. Et puis ensuite, sous l'Allemagne unifiée. Bel athlète. Spécialiste des anneaux. Mais formidablement explosif à la barre fixe. Quelle élévation. Ah oui. Voilà, c'est le tour arrière, corps regroupé, puis extension du corps avant de reprendre la barre. Et là, il nous en remet un. Il nous en remet un. Et il se rattrape mieux qu'au premier. Voilà, l'extension se fait très c'est tôt. C'est toujours la jambe, le bras droit qui revient d'abord. Hein. Ça, c'est propre à lui. Regardez. Il garde le bras gauche un peu tendu, le bras droit il le fléchit, il le jette au dernier moment, mais ça c'est, je dirais, sa manière de faire. Non, mais c'est peut-être sûrement naturellement un réflexe, comme on a une jambe d'appui plus forte que l'autre, il doit avoir un bras. Et il prend la tête, 9-812 devant Dounieff. Oui, il passe devant Dounieff, ce qui est discutable sur le plan technique, et oui. Mais peut-être pas sur le plan du jugement. Alors, notons que parmi les juges, mais enfin, on va regarder Podkopayeva, je vous dirai qui compose le jugement de la barre fixe et vous serez à peu près fixé. Sur la côte de l'Allemand Wecker. Podkopayeva, un passage déterminant oui. Pour la France en tout cas. Ah, normalement. Après son passage, nous saurons peut-être où nous en sommes. Double la position, là là là. Oui, pardon. Non, elle n'a pas réussi. Je dis oui, c'est parce que un petit cocorico, puisque oui. Nous aurons une médaille à cette agression maintenant. Podkopayeva, championne du monde au concours général, qui s'apprêtait peut-être à survoler le sol. Et on a entreaperçu à travers son regard qu'elle était perturbée. Deuxième faute ici de réception. Vraiment, cette finale au sol nous réserve. De poule parce que enfin la médaille qui était promise à la France avec Poujade et qui n'a pas pu se réaliser pour les raisons que vous savez, puisque Poujade à 10 secondes de la fin de son mouvement a pratiquement manqué sa valse. Un faux pas qui n'est pas dramatique mais qui explique que la gymnastique est un sport à risque permanent. Et bien finalement, cette médaille va et à la surprise générale, être prise par une petite Française de 14 ans et demi, qui était considérée comme la numéro 5 française par équipe. Et bien, sur cette chute de Podkopayeva, qui pleure maintenant ses espoirs perdus, et bien, Ludivine Furnon est déjà médaille de bronze, c'est au moins le minimum. Continuons la barre fixe avec Nistor Sandro, autre spécialiste pour la Roumanie. Et ce sera ensuite le chinois Zhang et le Et le japonais qui aura la chance à domicile de conclure, de terminer la compétition et de clore ce championnat du monde. On revoit la sortie encore une fois et la double vrille sur le double tendu. On va revenir après la barre fixe sur le sol.
Ou à la surprise générale, vous voyez Podskopaïeva qui obtient un 9-0-87. La France est médaillée, pour l'instant une médaille de bronze, il reste deux candidates, peut-être de l'argent, peut-être de l'or, qui sait, on peut encore rêver quelques instants. De toute manière, ce sera une surprise très inattendue. Ce matin encore, je demandais à ses entraîneurs, à Shannon Miller, si elle allait participer. Il me disait que oui, et juste avant la compétition, elle s'est désistée. Blessure à la cheville, le tendon d'Achille, douloureux. Attention à la Roumaine maintenant, petit pas sur le double tendu. Gojean, deuxième des championnats du monde 93, championne d'Europe à Nantes en 92, troisième l'an passé à cet agrès. Elle a déjà fait un long parcours avec l'équipe de Roumanie. Elle n'est pas dans une phase ascendante, mais c'est une gymnaste très expérimentée. Il lui manque ce petit air souriant et cette allure pétillante qui a caractérisé l'évolution de Ludivine Furnon. Certes, son programme est sûrement plus étoffé en acrobatie. Ouais, l'enchaînement magnifique de salto sur cette série avant. Groupée. Elle est très bonne. Il chute, ce sera assurément une très bonne note aussi pour Gojean. Ah oui, et rien à dire. Dina Gojean, un podium pour elle, c'est certain à quelle place. Il faut attendre le passage de la chinoise Ji Liya. Mais pour l'instant, eh bien, Ludivine Furnon a obtenu 9,625. Normalement, je dis bien normalement et sportivement parlant, la Roumaine a produit des figures plus aériennes. D'un point de vue acrobatique, elle a fait un petit peu plus difficile. Par contre, au niveau de l'exécution, on a pu remarquer une petite instabilité après son double tendu. Nous verrons. Nous verrons. Nous verrons. Sur le plan artistique, Ludivine Furnon a donné un autre éclat à son évolution. A aussi une grande notoriété. Ça fait longtemps qu'elle tourne. Et puis elle a été médaillée au championnat du monde. Bon, et puis la Roumanie demeure la nation la plus forte chez les dames, ce qui impliquerait que les juges donneraient un petit plus à la Roumaine. Oui, alors que Ludivine est encore une inconnue. Voilà. Il faut établir sa notoriété. Et à la barre fixe, Zhang Jinling va-t-il nous refaire le coup du concours général? Regardez son lâcher de barre. Alors on le connaît un peu, on l'a vu à Bercy au début de l'année. Voici un Jaeger corps tendu, c'est-à-dire salto avant corps tendu avec reprise de barre. Mais c'est là que ça se complique. Pour l'instant tout va bien. Mais non. Sortie double vrille sur le double tendu. Non, on a vu mieux. On a vu mieux. À force de les regarder, de les revoir, lorsqu'un athlète ne met pas sa difficulté à l'intérieur de son mouvement, c'est qu'il n'a pas voulu prendre les risques et assurer peut-être une place avec un mouvement plus précis, plus net. La sortie est très bonne. Gojean, pour les téléspectateurs français qui suivent avec intérêt cette finale du sol, et je pense aux Nîmois et aux Marseillais, puisque Ludivine est de Nîmes, la voici. Elle va regarder avec intérêt la chinoise Ji Liya. Gojean à 9,825. Ludivine Furnon est pour l'instant deuxième avec 9,625. Voici la dernière, la jolie chinoise Ji Liya, qui s'est entraînée avec Ludivine Furnon. Alors on fait attention particulièrement à son entrée puisqu'elle est très difficile, en tout cas si elle fait ce qu'elle nous a montré à l'échauffement, où elle était sortie du praticable. Grande prise d'élan, Ronda de slip, double arrière tendu avec une vrille. Oh là, piétinement. Petite faute de pied, mais c'est la plus grosse difficulté acrobatique.
ce que les filles nous ont montré. Oreille avant, percuté, comme toi avant. Ah, petite main qui virevolte. Beaucoup de recherches artistiques dans la chorégraphie de cette jeune chinoise de 15 ans. Un peu plus grande que le divine surnom. Vous devriez m'y percuter, salto avant. Pour l'instant, c'est du top. Pour l'instant, c'est très bien. Oh, ce salto avant enchaîné après avoir fait ce grand écart. On prend une chorégraphie. Attention, le passage est déterminant. Oui, salto arrière pour grouper, c'est pile. Ah, voilà du beau travail oui. Pour Jilia, la chinoise. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Et mademoiselle Gojian peut-être acceptera volontiers d'accepter, oui, je dis d'accepter parce que ce n'est pas facile lorsqu'on est en tête d'un championnat du monde. Eh bien, 9,825 pour Gojian, la chinoise devrait être... Oh là, quand même. Oui, mais c'est une petite faute sur une énorme difficulté. C'est une nouveauté, double tendue avec une vrille. Voilà, donc elle devrait logiquement passer avant devant Ludivine. 850. Oui, peut-être devant Gojian même. Et ce serait une logique médaille de bronze pour Ludivine Furnon, pour la France. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est inattendu. Inattendu. Qui n'était pas jusqu'à hier au soir dans cette finale. Et oui, il faut donner quand même l'explication pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi totalement cette retransmission en direct du Japon. C'est que Shannon Miller, l'américaine, qui était qualifiée pour la finale, souffrante de la cheville, a préféré consacrer toutes ses espérances à la poutre et elle a renoncé à la finale. La première remplaçante étant Ludivine Furnon, c'est donc la Française qui a été intégrée à cette finale. Résultat des courses, Gojian est championne du monde. Avec 9,825 devant Li Jia, la chinoise, et en troisième position pour la médaille de bronze, la française Ludivine Furnon. Chapeau Ludivine. Dernier candidat à passer à la barre fixe, c'est donc maintenant au tour du japonais Yoyaki Atakeda. Déjà médaillé au cheval d'arçon. Le tirage au sort a bien fait les choses. Voilà un Kovac, Santoria groupé. Puisque Atakeda ferme ce championnat du monde. Le catch-off, deuxième lâché. Ah, il va nous faire un beau numéro. C'est le dernier gymnaste à passer dans ces championnats du monde organisés au Japon. Et c'est un japonais. Autant vous dire que l'ovation va monter à mesure que la sortie approche. Et maintenant... Atakeda. Et trois tours. Oh oui, debout. La chute n'est pas parfaite. On va l'oublier. On va l'oublier. Debout. On va l'oublier. Andreas Becker salue la performance d'Atakeda. Et comme le Japon a parfaitement organisé ses championnats du monde, je ne serais pas étonné que par signe d'amitié, par signe aussi de satisfaction, eh bien, on accorde à Takeda, le japonais, la médaille d'or. Mon cher Michel, ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible ici, mais un podium sera peut-être mérité. La médaille d'or, c'est 9,812 à battre, c'est quand même un sacré score. Alors, allez, Andreas Becker est pour l'instant médaille d'or avec 9,812. En deuxième position, le Bulgare Douniev, qui a réussi tout de même l'exploit de lâcher la barre 6 fois. Et Atakeda qui attend sa note, qui est suivi par les caméras de la télévision japonaise. Et il obtient 9,775 et la médaille d'argent. Et c'est Becker qui est médaille d'or. Lui aussi, l'inattendu de cette finale. Andreas Becker.
Deuxième aux Jeux Olympiques à la barre fixe, premier au championnat du monde 1995. Trois ans après, ça c'est quand même réconfortant aussi pour vous dire qu'Andreas Wecker n'est pas un tout jeune et qu'aujourd'hui à 25, 26, 27 ans, on peut encore être très très performant dans un sport où l'on critique souvent l'entraînement qui est exigeant, surtout pour les jeunes filles, mais que la gymnastique est tout de même, pour certains grands champions qui ont le moral, un sport formidable lorsqu'on arrive à avoir, comme Andreas Wecker, un long parcours avec la République démocratique allemande et puis ensuite un petit creux parce qu'il y a eu un changement de vie et un sursaut aujourd'hui à Sabae au Japon avec une médaille d'or inattendue. Ça, c'est formidable. Quant à nous, eh bien, on pourra se réjouir de cette superbe médaille de bronze de Lydivine Furnon qui fait presque jeu égal avec la chinoise Ji Lin. Oui, la première médaille de bronze de l'histoire. De l'histoire de la gymnastique française. Pour les femmes. Pour les femmes, parce que chez les hommes, il y en a eu une belle collection, avec Barbieri notamment, et puis pour remonter dans le temps, Philippe Vatuone, et Boerio. Puis Boerio, Raymond Dot. Mais c'est vrai que la première médaille de l'histoire de la gymnastique, c'est aujourd'hui au Japon, avec Ludivine Furnon. Oui Nelson, c'est après la marche du siècle, c'est la marche du bonheur pour trois jeunes filles et trois garçons. C'est l'apothéose de ces championnats du monde. Et c'est vrai que après avoir durement bataillé pendant 6 jours, pour certains, c'est la fin d'un long parcours et ce podium est particulièrement émouvant parce que Jidin Gojian, qui va monter sur la plus haute marche, a été championne du monde par équipe. Elle était très discutée dans cette équipe et aujourd'hui elle remporte la médaille d'or au sol. Mais à sa gauche, vous voyez Ludivine Furnon, la grande surprise. Et puis la chinoise, normalement placée dans ce genre de finale. Jina Gojian, qui retrouve le sourire après avoir été longuement inquiète. Elle a réalisé un sol merveilleux et c'est bien qu'elle soit sur la plus haute marche du podium. La chinoise Lia Ji, superbe gymnaste aussi. Et puis l'événement pour la gymnastique française. L'histoire s'ouvre aujourd'hui pour cette petite Nîmoise de 14 ans et demi qui trouve avec son exhibition ou son évolution artistique au sol de très grande qualité une médaille de bronze. Et à un an des Jeux d'Atlanta, c'est bon signe. Voilà les fleurs, les médailles, dignement présentées pour un podium qui restera pour nous l'un des grands moments de ces championnats du monde. Il y en a eu d'autres. Nous en attendions aussi d'autres avec Éric Poujade qui a été bien malheureux. Mais aujourd'hui, eh bien, la gymnastique française, dirigée par Jean-Claude Jacquetin, le directeur technique, son président Jean Rey, doit être très fier du travail accompli dans les différents centres nationaux, comme celui de Saint-Ginier, ou de Montceau-les-Mines, ou de l'INSEP, ou d'Antibes. Et je passerai évidemment par Calais, avec la gymnastique rythmique et sportive qui a qualifié son équipe pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et nous aurons ainsi trois équipes qualifiées. L'équipe masculine,
l'équipe féminine de gymnastique artistique et de GRS. Ce qui est rare dans le monde, trois pays seulement ont réussi cette haute performance, il faut le souligner, la Russie, l'Ukraine et la France. L'hymne de la Roumanie. Quelle évolution pour la gymnastique française de se retrouver aux côtés des deux plus grandes nations du monde, la Roumanie de Comăneci et la Chine, qui est la force montante. Elle n'en revient pas, Ludivine Furnon. Et nous non plus. This concludes the victory ceremony for the apparatus final of women's floor exercise. Voilà la photo de famille et elles sont presque de la même taille, sauf Gojean qui a quelques centimètres de plus, mais aussi 3 ans de plus que Ludivine et que la Chinoise. Et ce soir, dans tout le sport, sur France 3, présenté par Gérard Rolf, eh bien, j'aurai le plaisir de vous présenter cette nouvelle petite merveille de la gymnastique française. Ludivine Furnon, née à Nîmes, découverte par hasard dans un centre de formation par deux entraîneurs roumains, les Popa, qui doivent aujourd'hui se dire on a bien choisi. Les parents de Ludivine Furnon sont venus au Japon juste pour suivre ces championnats du monde, mais je pense que aujourd'hui, ils se sont bien posé des questions avant cette finale. Inattendu, je dois me mettre à leur place. Ils ont la troisième gymnaste mondiale au sol et après juste le podium de cette barre fixe exceptionnelle, nous vous proposerons la minute 30 de bonheur de Ludivine Furnon. Furnon. Je suis troublé, mon cher Michel. Eh oui, c'est formidable. Andreas Becker, le roi de la barre fixe au Japon. Face aux Chinois, face aux Japonais, il fallait le faire. Et pour le Japon, quel beau cadeau. Takeda, médaille d'argent. Et pour la médaille de bronze, ils seront deux. Le formidable bulgare Krasimir Doudiev qui a réussi l'exploit du jour avec 6 lâchés de barre. Et le chinois Zhang Jingjing qui avait débuté la compétition par un mouvement d'une perfection artistique et technique. Voilà donc le dernier podium de ces championnats du monde au Japon. Le prochain rendez-vous important de la gymnastique sur France 3, ce sera les championnats de France dans 15 jours à Villeurbanne.
et ils prendront une autre dimension compte tenu aujourd'hui de la valeur de la gymnastique française. C'est vrai qu'on va revoir avec plaisir Ludivine Furnon, Elvire Teza, Laetitia Béguet, Isabelle Severino, et puis toutes les autres, Laure Gély par exemple aussi. Sans oublier chez les hommes, Éric Poujade qui nous doit une sacrée revanche. J'ai oublié de citer Cécile Canqueteau, qui a été remarquable également dans le concours général. D'ailleurs, Aurélie Grosse-Comte et Aurélie Grosse-Comte à ce championnat, qui ont permis toutes ces jeunes filles à la France de se classer 6e nation du monde, devant même la Biélorussie de Boginskaya. Superbe ascension depuis Indianapolis en 1991, où la France est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Eh bien, la 7e place des championnats du monde à Dortmund, et aujourd'hui la 6e place, et puis en prime, la médaille de bronze de Ludivine Furnon. L'hymne allemand pour clôturer ces championnats du monde. Je vous parlais des rendez-vous, ce sera donc les championnats de France de gymnastique à Villeurbanne, mais aussi les internationaux de France à Bercy, puis les championnats du monde à Porto Rico, où nos chances de médailles sont encore plus fortes, et puis les Jeux Olympiques d'Atlanta. Sacré programme sur France Télévisions, France 2, France 3. Voilà, le dernier hymne était pour l'Allemagne. Andreas Becker, champion du monde à la barre fixe. Pour les filles, il était roumain, avec la victoire de mademoiselle Gogéan. Mais nous n'allons pas quitter le Japon sans vous proposer 7 minutes 15 de bonheur, c'est-à-dire le sol de Ludivine Furnon, qui lui a permis d'obtenir la médaille de bronze, un moment historique pour la gymnastique française. C'était donc au Japon. L'événement pour la France. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au Sundom de Sabae. Et bonjour Nelson Montfort. Vous allez donc apprécier maintenant en finale du sol masculin, le Bulgare Ivan Ivanov. Oui, Ivan Ivanov, qui n'est pas un inconnu, puisqu'il est effectivement le champion d'Europe en titre au sol en 1994. Ici, superbe acrobatie, double arrière tendu, percuté, salto avant. Exercice extrêmement dynamique et difficile à réaliser. Ce jeune Bulgare de 21 ans confirme ici tout son potentiel par sa présence dans la finale. Ici, vrille avant, percuté, salto avant un quart et travaille au sol. Petite pause respiratoire en planche sur une jambe avant la dernière diagonale acrobatique que l'on regarde. Rondade, flip. Et double tendu. Pour l'instant, la meilleure note a été obtenue par Grigory Mizioutin avec 9,762. Et nous allons savoir ce que le Bulgare Ivanov a obtenu après son évolution.
voilà cette entrée. Double arrière tendu avec une vrille. Exercice très corsé en difficulté. Double tendu maintenant. Percuté, salto avant, un quart. Il est satisfait de sa prestation, il peut l'être. Il attend le verdict des juges, un jury qui est compensé, qui est constitué d'un Danois, d'un juge de la Chine, de Taipei, de l'Italie, de la Suisse, de l'Espagne et de l'Irlande. Je profite de ce petit instant pour demander à notre cher assistant Raouf et à Nelson Montfort de demander aux techniciens de nous couper le retour de Paris parce que nous avons un écho ici à Sabaé. Attention, regardez bien celui-ci. Li Xiaochang, champion du monde au concours général hier. Le sol est sa spécialité. Et la Chine excelle dans le domaine de l'acrobatie, j'allais dire aérienne. Vous allez voir la série de doubles saltos tendus que va nous livrer tout chaud Li Xiaochang. Avec quelques pirouettes en plus, j'espère. Voici ici une double tendue avec double vrille. Une vrille dans chaque salto. La plus haute difficulté mondiale réalisée au sol. Voilà, série avant, trois saltos avant tendus enchaînés, plus une vrille dans le troisième. Voilà, Li Xiaochang qui a déjà connu le titre suprême, il a le titre olympique à cet agrès. Il voudrait bien maintenant le titre mondial. Une ligne parfaite, une recherche permanente de la perfection. Même en montant l'équilibre jusqu'à la pointe des pieds, c'est l'école chinoise. C'était avant l'école japonaise, c'est devenu maintenant la Chine. Voilà, pour ce titre, il devrait faire un double tendu avec une vrille. Et non, c'est double tendu, simple, parfaitement exécuté, avec beaucoup d'amplitude. Li Xiaochang, 22 ans. Qui a bien évidemment travaillé de longues heures dans le centre national de Pékin que les Français connaissent bien. Voici Mizutin qui lui a été de nombreuses fois médaillé mondial au sol, qui a donc apprécié l'évolution de ce chinois volant. Cette double vrille superbe avec les jambes serrées et une réception pile. Un petit déséquilibre bien ramené. Et là, surtout, ce travail que l'on retrouve souvent au cheval d'arçon et qui est exécuté ici par Li Xiaochang, donc, au sol. C'est le gymnaste le plus léger de cette finale, puisqu'il ne pèse que 59 kilos pour 1m60. Mais une très belle musculature, très fine. 9,775, il prend la tête du concours. Li Xiaochang, mais ce n'est pas fini. Il y a encore du beau monde. Et notamment ce bulgare extrêmement tonique, Jordan Jotchev. Qui n'aura pas la même élégance. Je ne pense pas, mais regardons. Voilà ici un Thomas corps tendu, c'est-à-dire un salto et demi avec demi-tour plus une vrille. Voilà qu'il recommence, cette vrille et demi enroulée. Vrille avant. Même combinaison que le champion du monde 95 que l'on vient de voir précédemment. Plus longue comme combinaison des cercles Thomas. Oui, monter jusqu'à l'équilibre, ce qu'on appelle le cogolade en jargon technique.
Kogoladze. Kogoladze. C'est le nom d'un champion russe qui l'avait inventé, ce mouvement. Et finition, donc, pour le bulgare Zoltchev. Un programme, j'allais dire, très musclé, avec des difficultés de haute virtuosité, mais en ce qui concerne l'artistique, puisque nous sommes, nous l'oublions pas, au championnat du monde de gymnastique artistique, on pourrait donner une prime aux Chinois. En revanche, en acrobatie, le Zoltchev que nous voyons là a donné le meilleur de lui-même. Pensez-vous que la note puisse excéder celle de Li Xiaochang, mon cher Michel ? Oh non, car au niveau acrobatique, même si les difficultés sont très belles, elles sont inférieures. Et c'est déjà une belle performance pour Zoltchev, qui est pour la première fois en finale mondiale à cet agrès. Donc le Chinois va conserver vraisemblablement la tête de cette finale au sol des championnats du monde, avec 9,775, mais le prochain concurrent sera redoutable. Voilà, 9,575, il y a donc 200 centièmes d'écart, ce qui prouve que les juges sont tout à fait corrects pour l'instant. Je dis cela parce que nous risquons d'avoir beaucoup de surprises. Le prochain concurrent et candidat à la médaille d'or s'appelle Alexei Naïmov. Il vient de Moscou et c'est sans aucun doute l'un des gymnastes de devenir pour les Jeux d'Atlanta. Il représente la Russie. Regardez l'élasticité de ce garçon. Double tendu plus vrille. Salto tendu, salto tendu, salto tendu avec brille. Ça, c'est bien, bien, bien. Rythmé. Vrille et demi, percuté, ah. Salto avant, mais un petit peu bas. Petite faute. Là encore, un beau travail. Et maintenant, monter en équilibre. On va voir par rapport aux Chinois si c'est aussi parfait. C'était juste une montée pour une roulade arrière. Voilà, pour se replacer dans le coin du praticable afin d'avoir le maximum d'élan avant sa dernière ligne acrobatique. Beau gymnaste. Double carpé. C'est là que les juges vont avoir une grosse influence. Vous avez vu le regard de Li Xiaochang, qui a suivi donc avec intérêt l'évolution de Naïmov. Et c'est vrai que parmi les juges du sol, puisque nous en sommes là, c'est comme au patinage, Nelson Montfort connaît bien l'histoire, eh bien, il y a une zone d'influence qui va peut-être non pas perturber cette compétition, mais être prépondérante sur le choix des notes. Cependant, ralenti, nous venons de constater tout de même que la réception de Naïmov n'était pas parfaite et que celle-ci non plus, avec ce petit recul arrière. Donc, normalement, Naïmov devrait avoir une note voisine de 9700 sans pour autant... Ah ben, 9500, vous voyez. 9500, ce qui le place en cinquième position. Il n'est pas récompensé de son programme acrobatique, mais il y avait de fautes très perceptibles. Et maintenant, c'est celui qui a été champion du monde à Brisbane l'an dernier au concours général, Ivan Ivankov, pour la Biélorussie. Est-il capable, un an après son exploit en Australie, de remonter sur le podium alors qu'il a terminé dans le fond du classement au concours général, derrière même le français Casimir qui était 15e. Un double tendu avec une vrille pour cette première diagonale. Série avant, assez classique. Ah, mais il y rajoute un salto avant groupé après le troisième salto tendu avec vrille. Donc il a compliqué un petit peu. C'est une deuxième diagonale qui est classique chez tous les gymnastes maintenant. Travaille en cercle Thomas jusqu'à l'équilibre.
position de souplesse en grand écart. Voilà, souplesse, maintenant placement pour s'établir jusqu'à l'équilibre. Dernière diagonale après ce Y. Course d'élan, impulsion, double salto tendu arrière. Ivankov peut postuler à une médaille. Elle sera vraisemblablement de bronze parce que derrière lui, il y a l'incontournable Vitali Tcherbo. Je pense que Vitali Tcherbo a bien soigné son travail pour se présenter ici à Sabae, non pas dans une condition exceptionnelle, mais avec un programme assez fort. Ivankov au ralenti, voyez que la ligne ne rejoint pas celle de Li Xiaochuang. Même pour des téléspectateurs qui ne sont pas avertis des choses de la gymnastique, ils peuvent faire des comparaisons. C'est clair que le Chinois était le plus fin, le plus élégant, le plus léger, le plus félin. Ivankov attend sa note. Voilà la troisième position avec 9,662 pour Ivankov. Effectivement, c'est une situation un peu précaire. Avant que Tcherbo ne passe, Tcherbo qui est champion du monde en titre au sol, ne l'oublions pas. Et champion olympique à Barcelone avec 6 médailles d'or, c'était le roi de la gym. Et il se prépare pour Atlanta, et il a encore son mot à dire, et il a obtenu une médaille de bronze au concours général. Allez, Vitali Tcherbo, qui a couru après des poignées de dollars dans tous les galas du monde, est-il encore aussi performant ? Voilà, il se distingue en faisant une première diagonale en avant, habituellement. C'est plutôt en arrière que l'on va. Et ici, il tape très fort, double tendu avec une vrille. Sa stabilité est impressionnante. Tempo flip, double vrille, percuté, salto avant. La tenue de la Biélorussie n'est pas particulièrement lumineuse. Dommage. Le Y, pas facile à faire. Essayez chez vous, vous verrez. Et double tendu. Encore une fois, c'est pile. Et oui. Ah, ce Tcherbo a du métier. Li Xiao Mizutin, qui est pour l'instant deuxième. Tcherbo salue le public parce qu'il a le sens du spectacle. Même si c'est, bon, soit dit en passant, une petite tête de cochon, parce que c'est pas facile de travailler avec Tcherbo. Et qu'il est un peu mauvais caractère. Mais là, apprécions plutôt sa gymnastique. Et vous allez constater que tout ce qu'il fait, il le fait avec précision. Tcherbo devrait prendre la médaille d'argent, ce double tendu arrière. Juste pour vous dire aussi que, Michel Boutard, vous êtes plus fin technicien que moi, les saltos arrière sont plus faciles à réaliser que les saltos avant. Pas tout à fait, Pierre, puisque sur un salto arrière, qui est beaucoup plus évolutif, on peut greffer des difficultés supérieures et ça nécessite beaucoup plus de travail que d'enchaîner des séries avant qui n'ont pas la même amplitude. 9,812 de Platanche. Encore une fois, champion du monde, Tcherbo. Olé ! 9,812, Vitali Tcherbo coiffe sur le fil le Chinois Li Xiaochuang qui avait pourtant réaliser la plus belle évolution sur le plan artistique, mais Tcherbo a truffé son mouvement de difficultés majeures et il obtient une médaille d'or après avoir été le roi de Barcelone en 92. C'est dire si ce garçon a de telles ressources
que l'on peut imaginer qu'à Atlanta, il est capable de nous faire un sacré coup. C'est tout à fait possible, avec un tempérament comme le sien, surtout en compétition. Voilà, je disais qu'il avait un caractère de cochon, et bien il vient de démontrer que dans cette compétition très élevée, eh bien, il fallait aussi avoir un sacré tempérament de combativité, d'agressivité même parfois. Et le Biélorusse, Tcherbo, qui n'a pas arrêté de courir le monde sur 2 années après les Jeux Olympiques de Barcelone pour essayer de gagner, je dirais, beaucoup d'argent. Il est venu notamment à Paris nous régaler. Eh bien, lors du gala de France CEI, l'année dernière, eh bien, Tcherbo n'a pas oublié que la préparation était intense à l'approche des championnats du monde. Il s'est mis au travail et le voilà. Résultat, médaille d'or au sol. Le Misiutin que vous voyez là, l'Ukrainien, médaille de bronze. Et le Chinois, médaille d'argent dans ce dôme de Sabae. Voici le grand élan vers l'or de Vitali Tcherbo. Les jambes très jointes, les pieds un peu à l'écart, mais c'est pour pouvoir assurer une réception. Oui, pour une meilleure stabilité. C'était sa finale d'exercice. Vitali Tcherbo, très affûté sur le programme libre. On n'a pas retrouvé le même Tcherbo sur les imposés lors du concours par équipe, mais effectivement, il vient se produire sur un programme qu'il apprécie et qui lui permet de faire de nombreuses démonstrations. Alors que les imposés n'intéressent, il est vrai, que peu de monde. Alors, dans quelques secondes, chers téléspectateurs de France 3, vous allez assister à la remise des récompenses qui est bien minutée, puisque les Japonais sont très à cheval sur les horaires, et on peut dire qu'ils sont d'une précision suisse, pour reprendre un terme plus européen. Le podium va durer que 3-4 minutes et Tcherbo va pouvoir sourire, se libérer totalement. Et je dois dire qu'il va participer à une autre finale, celle du saut de cheval, ça sera demain. Il est qualifié seulement dans 2 finales et dans 3, puisqu'il y a les mêmes épreuves parallèles et même la barre fixe. Donc demain, il disputera 3 finales. Aujourd'hui, il n'en avait qu'une à son programme. Eh bien, il a réussi son coup, pourrait-on dire, puisque Tcherbo, il y a encore 1 an et demi, Michel Boutard, nous l'avions vu à Paris. Bon, pour les galas, tout ce qu'il réalise est encore très spectaculaire, mais pour un programme de championnat du monde, il est clair qu'il faut une autre préparation, être affûté. Absolument, et s'il gagne 4 finales, c'est sur ses 4 points forts. Oui, le cheval d'Arçon, qui est un agrès faible pour Vitali Tcherbo, relativement s'entend bien sûr, puisque nous sommes au championnat du monde et qu'il faut être au sommet. Les anneaux, par contre, ce n'était pas un point faible par le passé. Maintenant, il s'est fait opérer d'une épaule en début d'année et on ne peut pas le retrouver sur cet agrès, mais peut-être plus tard. Alors de Vitali Tcherbo, on va vous dire quelques mots en vous rappelant tout de même que ça a été le plus médaillé des Jeux Olympiques de Barcelone en 92. C'était attendu avec ses 6 médailles d'or. 6 médailles d'or. Ce n'est pas n'importe qui peut s'offrir ce luxe. Oui, une Il médaille y a eu Mark Spitz aux Jeux de Munich avec 7 médailles d'or. Mais c'est vrai que Tcherbo avait fait carton plein. Et puis, bon, de nombreuses médailles au championnat du monde, sans problème. Son entraîneur est Samir Kinar. Il mesure 1m69 pour 62 kilos. Et le voici de nouveau sur la plus haute marche du podium. Et sa profession,
sur la fiche signalétique livrée par les Japonais, il est businessman. Et cela ne m'étonne point. Alors, monsieur Shliashenli, comme l'interpellent les Japonais, a déjà une médaille d'or au concours général et une médaille d'or par équipe avec la Chine. Et là, cette fois, médaille d'argent au sol. Mais on n'a pas fini de le voir. Il sera encore dans d'autres finales. Et puis, Grigory Mesiotin, l'un des plus anciens du concours, puisqu'on l'a connu, Mesiotin, en 1988, aux Jeux de Séoul. Il était déjà dans l'équipe de l'URSS, chez les hommes. Et puis ensuite, champion du monde, au sol. Et oui, au sol, ça a été le gymnaste le plus titré avec le malheureux Korobchinski, je dirais. Korobchinski qui était prétendant ici pour une médaille d'or aussi au sol et qui, lors des exercices libres du concours par équipe, s'est brisé le tendon d'Achille. Rompu. Oui, on peut. Oui, le tendon, ça... Victime d'une rupture. Voilà. Alors, nous avons droit aux jolies demoiselles. Ah, c'est magnifique. Ah, monsieur Kamutsu, président, j'allais dire, de la région de Fukui, c'est-à-dire que c'est la région où nous sommes, dans le nord-ouest du Japon, sur le côté de la mer du Japon, c'est-à-dire face à la Chine. Pas facile à mettre une belle médaille d'or. Et les deux lauréats. Voilà. Et nous aurons droit à l'hymne de la Biélorussie ou de la Bélarussie selon le pays où l'on se trouve. La prononciation se fait, il y a les deux termes, hein. Je dis cela pour les personnes qui sont à cheval sur les dénominations, la Bélarussie et la Biélorussie. Alors après ce podium de cette première finale et la photo de famille pour toutes les revues du monde avec un Tcherbo rayonnant, un Li Xuanchang un peu plus déçu et un Mesiotin égal à lui-même, c'est-à-dire désormais satisfait de sa place dans le concert mondial après l'éclatement de l'Union soviétique. Vous savez que toutes ces républiques se sont séparées, qu'elles ont chacune essayé de trouver des conditions d'entraînement favorables, ce qui n'est pas le cas tout le temps pour certains, notamment les Russes, puisqu'il est bon de préciser qu'il n'y a aucun Russe sur le podium. Et cela signifie déjà que le déclin de la gymnastique russe est déjà bien amorcé. Nous l'avons
souligné lors du concours par équipe, mais également chez les dames. En revanche, la Biélorussie s'en sort encore bien grâce à un tiers-beau exceptionnel. Mais l'Ukraine, elle aussi, a des problèmes, sans parler des autres nations qui essaient d'émerger dans le concert mondial, comme l'Azerbaïdjan ou l'Ouzbékistan. Ainsi va l'histoire, mais le sport a été durement touché par cette séparation et la dernière apparition de cette équipe russe, cette coalition, pourrait-on dire, des républiques, c'était à Barcelone et Atlanta. Eh bien, chacun va jouer dans son camp et il n'est pas évident que, justement, ils émergent, sauf Tchirpo. Vitaly, you had the final say on the floor and you made it count. Tell us about that performance. Et pour la chaîne américaine, non, canadienne, CBC. Cherbeau qui s'exprime dans un anglais parfait puisque maintenant il habite aux États-Unis et s'entraîne aux États-Unis. Ah, il a bien trouvé le filon et c'est vrai que quand on a 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques, on peut négocier quelques contrats et surtout d'être admis aux États-Unis pour se préparer pour Atlanta. Il sera presque chez lui désormais. Oui, il reste assez modeste puisque dans ses premiers propos, on n'a pas entendu la suite, mais il disait qu'il n'avait pas été parfait mais qu'il avait fait très bien. Oui, et lorsqu'il fait très bien, Cherbeau, il est difficile à battre. Alors, Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes dans un cadre assez inhabituel pour ce...